colère de galère le tracteur. Je monte avec lui. Ah ça c'est joli ça, le retournement de la charrue. Ah c'est un 512 donc ça doit être un 120. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Ça va. Attends, je te dis bonjour. Ça va? Ça va. On sait comment ton prénom? Erwan. Erwan, donc t'as quel âge? J'ai 15 ans là. T'as 15 ans? Ouais. Et tu conduis déjà cette grosse bébête là? Ouais bah je suis lancé depuis, bah ça fait déjà 2-3 ans que j'utilise celui-là. Ouais, et si tu peux nous en parler un petit peu? Alors celui-là c'est un 512, ouais. Donc c'est 120 chevaux. Ok. C'est une boîte vario, c'est la variation continue, t'as pas de vitesse. Là j'ai le point avant d'activer, le blocage différentiel. Ouais. Et là du coup j'ai la vitesse automatique, comme ça je donc du coup le blocage de différentiel c'est 4 roues motrices. Ouais, bah les 4 roues elles tournent en même temps. Ouais. Ah oui, là t'as un joli tableau de bord, il a l'air d'être un... Bah il est récent tracteur, avec quelle année? 2019 celui-là. Il est pas vieux. S'il y a encore des évolutions, celui-là c'est la deuxième gamme, il y en a 3. Là, il a 2098 heures. Ouais. Ça va, t'en es content? Ouais, nickel. À côté c'est ton papa? Oui. Il est en train de semer? En train de semer. Du blé? Du blé, qu'on aurait dû mettre il y a déjà quelques semaines. C'est joli le charron. Ouais, elle occupe le tracteur 5 minutes. Ouais. Il est 5 combien le tracteur de ton papa? Donc bah là c'est un 514. Ouais. Donc 140 chevaux. 140 chevaux. Quelle année? Celui-là de 2022. 2022. Il est joli. Hein. Il a un an et demi. Ouais, celui-là. Il a fait les ensilages là en septembre-octobre. Avant les semis, je l'ai nettoyé pour qu'il brille. Ouais, il est joli. Hein. Donc là c'était quoi dans le champ avant? Ici c'était anciennement des petits pots. Des petits pots? Pour bon duel. Du coup c'est quelle entreprise qui est venue? C'est Cousin si je me trompe. Cousin? Ah j'ai filmé Cousin. Si t'as vu la balleuse à la betterave. Ouais. Si tu peux nous expliquer concrètement ce que t'es en train de faire. Je laboure, on retourne la terre pour l'aérer, pour pouvoir semer quelque chose dessus. Je peux pas en dire plus, je suis pas trop calé non plus. Je commence dans l'agronomie. Ah, t'as 15 ans et t'arrives déjà à conduire un bordel comme ça. Ouais. Il y en a 15 ans, ils s'amusent à directement jouer à Fortnite. Non, moi j'ai pas de tout ça. Là aussi du coup sur ce tracteur là t'as le deux systèmes d'inverseur, t'as celui-là, ouais. Et puis je l'ai aussi sur la manette. Ici j'appuie bien, sur un petit bouton ici. Ouais. Et hop, je fais ça. Okay. Là, je remarche arrière. C'est intéressant. J'ai les flèches ici qui montrent. Ah ton papa il a mis le tasse avant. Ouais, c'est pour rappuyer la terre, ouais, avant de semer. Ah il est super beau le 514. Et vous avez des plus gros dans votre ferme? Non, celui-là c'est le tracteur. Ah c'est le dernier, ouais. Ouais. Bah, ça sert à rien d'avoir plus gros si t'en as pas l'utilisation. Bah, on en a pas l'utilité. Avant c'était celui-là et bah il nous servait déjà assez, mais on voulait un celui-là, un peu les roues arrière sont, ouais, les plus étroites. Et c'était pas celui-là, les roues plus larges, et c'est beaucoup plus confortable sur la route. Ça fait combien de temps que t'es sur ton chantier agricole? Alors j'ai commencé ce matin vers 8h30-9h, ouais, avec cette parcelle-là. En fait c'est une seule parcelle, mais elle est séparée par un fossé, sinon ça serait inondé. Ouais, je comprends, comme c'est pour l'évacuation des eaux. Ouais. Bah, déjà là-bas, on voit qu'il reste encore de l'eau. J'ai failli y rester tout à l'heure, mais je suis quand même sorti. La charrue, elle se plante à peu près à combien dans le sol? Je sais pas exactement, mais c'est entre 15 et 20 cm. 15 et 20. Mais on est un peu plus haut. Ici, on cherche pas à aller trop profond parce que c'est déjà dur pour le tracteur à tirer. C'est humide sur le dessus. On cherche pas à aller chercher trop profond. Ton papa, il est en train de semer. Et donc, si tu peux nous parler un peu du semoir qu'il a, l'équipement qu'il a sur son tracteur, sur le 514. Le semoir, c'est un semoir de 3 mètres. Ouais. À l'avant, c'est aussi 3 mètres. Hein, t'as avant de 3 mètres. Le semoir, c'est un semoir avec une herse rotative, sulky. La capacité de trémie, ça doit être de 1000 litres. 1000 litres à peu près. Ah bah là, d'ailleurs, elles sont en train de remettre des semences. Ouais, ouais, vu qu'on a un peu de route à faire, ma mère vient ramener des semences. Ouais. Bah, vaut mieux faire ça que de se trimballer là, avec le tracteur à chaque fois. T'imagines la consommation, ouais, de carburant? Ah, déjà là, dans le champ, bah, là, c'est en descente. Ça va, je suis à 21 litres à l'heure. Mais tout à l'heure, ça montait et on était à 28. Et celui-là, il en utilise encore plus. Et là, ça va par rapport à ceux qu'on... Ça va, 5 socles sur la charrue. C'est ça, un 5 socles, ouais, tiens. Bah, si on aura un de plus, pourquoi pas. Ah, ça passerait, je pense. Ouais. Ça passerait large. Les anciens disent c'est un socle pour 20 chevaux. Et du coup, là, on a 120 chevaux, du coup, ça pourrait mettre 6 socles. Mais dans des conditions comme ça, ça serait tout juste. Mais niveau consommation, il consomme beaucoup moins. Avant, on avait un John Deere à la place de celui-là. Il faisait 105 chevaux, mais il était développé. Une journée avec cette charrue-là, on pouvait pas en faire deux niveau consommation. Il fallait faire le plein quasiment tous les jours, tellement il consommait du coup. Alors celui-là, il consomme moins déjà de base, ouais. Et sur un tracteur comme ça, tu saurais nous dire, sans indiscrétion, si tu as vraiment envie d'y répondre, on est sur combien niveau tarification? Une bonne question. Ça, il me semble qu'on est aux alentours de 150 000 euros. 150 000 euros. Ah, c'est 1000 euros du cheval, en moyenne. En après, moyenne, ça dépend, ouais, avec les options.
structuré. Un petit peu plus, ouais. Ah, il doit avoir des options en plus, celui-là. Ouais. Si vous pouvez aller vous abonner aux réseaux sociaux de monsieur, je les mettrai là déjà en bas de l'écran, ça me fera extrêmement plaisir. Si jamais vous avez des travaux agricoles ou autres à filmer, vous m'envoyez un message sur mon Instagram, donc jpbiker282 juste ici. Il faut savoir que je me déplace au-delà de 50 km aux alentours du Nouvion Tirage. Là, si tu peux nous parler un petit peu de l'écran qu'on voit là-bas. Alors, l'écran. Donc ici, on a C1, c'est ce que j'utilise là. J'entre ma vitesse dedans. Ouais. Et avec la manette, je la décale vers la droite. Ouais. Et ça va réguler, enfin c'est le régulateur en fait. Celle d'à côté, c'est pour C2. Et là, c'est pour la vitesse en C2. Bah, ici, c'est la vitesse max, 55. Ici, c'est pour la conduite à la manette. C'est quand on donne un à-coup, ça augmente de 10 km/h la vitesse. Je sais pas comment elle est réglée, du coup, j'y touche pas. Après, ici, c'est différents distributeurs. Là, on a le logo de la manette et le nom de ça. Ici, pour par exemple, quand on a une remorque, on peut lever la porte avec cette manette là. Ici, on a pour les réglages du relevage avant et relevage arrière. Ici, par exemple, là il est à 41%, il est abaissé à 41%. On a la vitesse pour se relever ici et après. Ah ouais, la vitesse pour relever le relevage et tout. Ouais. Moi, il indique. Oh là là, c'est un truc de fou, 8 km/h. Il monte à combien? Il peut monter à combien? Bonne question, cherchez pas. Après, tu peux pas le remettre au maximum parce que malheureusement, si tu mets au maximum, tu vas brouiller le matériel. Ouais, bah, c'est déjà bien comme ça. Après, ouais, le 8 c'est bien. Ouais. Bah, après moi je suis à l'école la semaine, du coup c'est plutôt mon père qui l'utilise, du coup je laisse ses réglages. Du coup tu vas reprendre l'exploitation de ton papa. Ouais, c'est ça, ce serait mon objectif. Bonjour, bonjour monsieur. Entre. Vous voulez un coup de main pour décharger les sacs? Oh, tu veux t'en aller. Belle bête ça. La pause déjeuner. Ouais. Il y a une capacité de combien le semoir? En litre ou en litre? Bah les deux. 600 kilos. Et on peut mettre combien en hectare? 4. Ah ouais, donc tous les 4 hectares, il faut remplir. Ça dépend de la densité que tu mets. Ouais, bah là, c'est ce qu'on a fait à peu près, 4 hectares. Là. Là, vous avez le tas avant. Ah, il est beau. Il est beau. Hein? Allez, on retourne au labour. C'est reparti. J'ai encore quelques petites questions à te poser. Ah, il est bien insonorisé. Ouais. Ah, il patine pas le tracteur, il a pas de mal. Ouais, ça va. Il y a quand même un peu de mal à moi, mais ouais. T'es habitué à mieux. Du coup, vous l'avez eu tout neuf le tracteur. Ouais. Il y a un rodage spécifique sur les tracteurs quand ils sortent de concession ou pas du tout? Je sais pas. Bah, tous les 500 premières heures, il me semble. Il faut faire une. Bah, checker le tracteur. Ouais. Pour voir si tout va bien, puis après. Ouais, regarde au niveau des hydrauliques et tout. Oui. Après, c'est les hydrochausseurs. Ah, c'était toi qui étais venu me dire bonjour au terre de Jim. Ah, c'est bon. De Fent aussi. Ah, oui, 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 oui. Même tu m'avais dit, ah non, lui c'est un comme ça et lui c'est un comme ça parce que je disais de la merde. Ouais, c'est ça. Même t'étais avec un petit. Oui. Ah, t'étais gentil, moi je m'en rappelle. T'étais venu me voir et tout, franchement, cool. Ah, le lendemain, j'y suis retourné avec Totor. Ah, oui, ouais, vu qu'il voulait pas venir parce qu'il faisait trop chaud. Le lendemain, on a cramé aussi. On sait bien qu'il faut ça là, à proximité. Là, cette année, je sais pas où ça va se dérouler. Tu vas y aller cette année? Bah, ça dépend où est-ce que c'est. Après, il y aura terre en fête. Ouais, terre en fête à Arras. Ah ouais, ça fait de la route là. Et tu vas y aller toi au salon de l'agriculture? Salon de l'agriculture, j'y suis jamais allé. Bah, je verrai bien. Vous avez vu, en gros, c'est des grosses dents qui creusent dans le sol. Ça retourne la terre, vous avez vu, regardez sur, on va dire, allez, là, vous avez combien? Vous avez, ouais, bien 15 cm, ouais, facile. Et après, le tracteur là-bas, en fait, vu que la terre est retournée, ah là, vu que la terre, elle est retournée, bah, monsieur, il passe directement un coup de semoir. Et là, ils sont en train de semer du blé. Bon, si ce type de contenu-là te plaît, et si tu veux, tu peux d'ores et déjà t'abonner à la petite chaîne, me donner un petit pouce bleu et partager la vidéo. Merci à toi, mon ami. Vous avez vu, c'est stylé, hein, travail des sols en hiver. Ah, la terre ça va, elle est pas dure. En même temps, tu m'étonnes, c'est humide à mort. Plus humide, t'as pas. En train de semer du blé, mon copain. Donc, si jamais t'as un chantier agricole, mon copain, à faire filmer, tu me contactes. Je me déplace à 50 km au-delà du Nouvion en tirage. Ah, le terrain, il est dénivelé là. Le terrain, il a légèrement en pente. C'est assez vallonné ici. Ouais. Matin, c'était beau, c'était tout gelé. Là, ça, t'as vu la dégelée du coup. Ah, depuis 8h, depuis quelle heure t'es là dans le champ? 8h30, 9h. Ouais, depuis 9h. Et puis bah là, il est quelle heure? Il va être 17h. Les gars, vous calculez les heures, les agriculteurs. En plus, là, ils ont eu de la pluie. Alors, à l'état des champs, on laisse tomber. D'ailleurs, ça nous a valu beaucoup de critiques sur nos derniers TikTok avec Totor, avec le déchômeur. Ah oui, oui, ah voilà. Bah, il a réussi. Hein. Il a passé un coup de charrue, c'est semé, hein, ça y est. Hein bah ouais.
tous les grandes gueules. Mais ils ont fait ça parce qu'ils ont pas de tracteur suffisamment puissant. Et son employeur, en fait, je suis d'accord avec ceux qui disent ouais, faut attendre, mais lui en fait il veut pas attendre parce qu'à chaque fois qu'ils attendent, tu vois, quand tous les agriculteurs ils se lancent dans leur culture, il pleut. Lui il se lance avant les autres. Là cette année c'était un des premiers qui avait lancé ses blés. Bah nous on est dans les derniers, la plupart du temps. Mais ouais, j'ai vu un commentaire qui disait fallait attendre tout ça. Ouais. Et ça dépend aussi, j'en parlais hier avec mon père justement du blé. Le blé qu'il a acheté, s'il est précoce ou s'il est tardif, qu'on sème plutôt en décembre. Et aussi de la puissance des tracteurs. Les semis qu'ils ont plantés, il n'y aura pas une pousse, on en parlera. Par contre, j'ai pas aimé, c'est la réflexion, tu vois, il y en a un qui a dit ouais, tu salis le travail de l'agriculture, à montrer ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais non, c'est nous on n'est pas comme ça non plus, ouais, là, non. Nous on veut montrer justement le travail d'agricole, enfin ouais. Le travail d'agriculteur, et montrer que c'est pas un travail de fainéant, et justement privilégier ce métier-là parce que vous n'êtes pas reconnu et on vous traite comme des sales merdes. C'est paysans, c'est des. Non, on est pas des... vous n'êtes pas des paysans, vous êtes les seuls qui nous apportent nutritivité dans notre assiette. Et les gens, ça, ils savent pas le reconnaître aujourd'hui en 2023. Ouais. Bon, et ça me dégoûte. Tu vois, rien que d'en parler, ça m'énerve. Les gens, ils me dégoûtent. Comme nous, les jeunes, on commence à se dire qu'est-ce que ça va devenir dans quelques années. Bah moi, je pense dans quelques années, ça va devenir, t'as intérêt à avoir des cultures à mort et puis essayer de rentabiliser avec ce que tu plantes parce que, pareil, l'élevage, t'as vu comment ça devient compliqué. Ouais, vous, ouais. D'ailleurs, parle-moi un petit peu de ton exploitation agricole. Bah on est en polyculture élevage. Ouais. On cultive sur 135 hectares, dont 20 de pâturage. On a des vaches à lait, les Provolchènes. Donc on en a environ 70 à la traite, en robotisé. Des robots, vous en avez combien? On en a un. Un, c'est, bah, 70. Et c'est suffisant vaches, c'est tout juste ce qu'il faut. C'est un Lely? Un de Laval. Ah, de Laval. Ça va, tu t'en plains pas? Non, c'est un d'occasion, du coup, il y a quelques petites... Ça emmerde des fois, mais sinon... Des vaches, elles ont accès dehors quand même, non? Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est bien. On a 2 hectares, si je dis pas de bêtises. Maïs, du coup, en alimentation. Un maïs, oui. Maïs, et un peu de pulpe. Des pulpes, du coup, on a arrêté avec la sucrerie des Codoves. Ouais. Qui a arrêté, on peut plus. Ah oui, ouais, vous êtes plus proche des Codoves que d'Origny Cervenoët. Ouais, du coup, on arrête les pulpes surpressées. On a quand même des boules solides. Bah, on va compléter avec autre chose. En plus, on met quand même... Les drèches. On avait fait ça, mais on a arrêté aussi. Parce que ça, c'était pas très rentable, en fait, ça moisissait. On met de l'herbe après, enfin, l'orubané. Après, t'as les carottes et les petits pois aussi. Un petit peu de petits pois, tu sais, en déclassé. Mon beau-père, je m'en rappelle, dans son exploitation agricole, bah là, il est en retraite. Et c'est ce qu'il mettait. Enfin, il avait plus de pulpe. Il mettait, tu sais, des carottes ou des petits pois déclassés, tu sais, mais non à l'alimentation des, de nous. Hein. De temps en temps, il mettait ça dans son silo, je m'en rappelle. Ouais, j'ai jamais vu. Je connais quelqu'un, un voisin, qui a une fois eu des bananes. Ah ouais ? Il a mis ça. Des bananes déclassées ? Ouais. Impressionnant. Des non vendus en fait. Ouais. Et elles adoraient ça. Il va revenir. J'ai encore oublié ton prénom, ne m'en veux pas si tu vois la vidéo. Et avec les feux allumés, il démonte le Fendt. Il déchire. Le 512, le 120 chevaux est en action. J'aime bien la couleur verte. C'est dommage, il est carré, plus carré comme auparavant. C'est un peu arrondi, c'est dommage, ça casse un peu. Bah, le charisme du tracteur, il est plus vraiment là, mais il reste quand même très beau. Ah, c'est stylé, hein. Ah ? Ah ouais ! Vas-y ! Il me dit d'aller filmer là-bas. Aller filmer le semoir avec le 514. Ah, mais je peux pas aller marcher dans... Bah non. Je peux aller marcher dans les terres déjà semées. Hein. C'est beau ! Vive l'agriculture ! Vive la bonne bidoche que vous nous apportez tous les jours dans notre assiette. Bon, ça va, les tracteurs, ils galèrent pas. Ça envoie ! Vive Fendt ! Eh, vous savez ce qui me manque, les amis? Un drone. Il me manque un drone. Donc ici, c'était des petits pois. Et là, maintenant, ça passe à du blé. Ah, c'est beau, les deux tracteurs, là. Chaud, chaud, chaud! Je sais pas s'il peut me faire des appels de phare, ça serait joli, en vrai. Attends, je vais essayer de lui montrer. Je sais pas s'il comprend. Non, il comprend pas. Fais-moi des appels! Ah, voilà. Ça, c'est beau, ça. Regardez, il doit pas rouler vite, il doit peut-être rouler à 5 km/h grand maximum. Pour bien que les graines soient plantées, il peut pas rouler trop vite dans tous les cas. Et vous avez vu, il a un tas avant. Et le tas avant, en gros, ça casse les bottes de terre. Pour que le semoir, après, il réégalise mieux le sol. Et donc, du coup, après, t'as les tuyaux qui vont directement dans le sol pour poser la petite graine qui dépose tout simplement la semence dans le sol. C'est ça le tas avant. Il est assez fameux sur ce tracteur-là. Enfin, il fait la largeur du semoir, hein, 3 mètres.
Joli les plans de nuit. Bon allez, je m'en vais. En plus je suis en train de les déranger avec ma voiture. Regardez, vous avez vu, faut faire gaffe aux angles morts. Hein. Il me voit pas. Hein. Faut faire très attention. De lui dire au revoir. S'il me voit. Maintenant il s'occupe même pas de moi. Il s'en fout. Il a bien raison. Il a bien raison. Allez, au revoir. Bon allez. Moi, je m'en vais. Bon, les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Tu m'excuseras, mais j'ai encore oublié ton prénom. Je sais pas comment tu t'appelles. On va faire attention à une voiture qui arrive. Si jamais ça te plaît, laisse-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Partage la vidéo et abonne-toi à ma petite chaîne YouTube, JP Thor. Enfin, ma petite chaîne YouTube, la chaîne de Totor et la mienne. Enfin, c'est moi qui la gère à 100%, mais bon, je le mets dedans parce que son prénom est dedans. Si jamais tu as envie que je vienne filmer ton chantier agricole, tu me contactes sur cet Instagram-ci. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était JP, salut.